Voilà. Monsieur le ministre, étant le premier responsable de la justice, voyant votre engagement pour le bonheur des citoyens de la Guinée, nous voudrions vraiment que ces contrats soient mis au clair pour que les bénéficiaires de ces contrats puissent venir mettre ces travaux dans les normes. En plus, toutes ces entreprises devraient un certain pourcentage à la communauté. Dans nos cubes, le pourcentage pourrait s'élever à plus d'un milliard qui pouvait servir à la communauté d'adduction d'eau, de construction d'écoles et autres. Les démarches menées de Mandiana à Kankan jusqu'à Conakry, vraiment, on dit que les entrepreneurs sont des têtes de lion. Donc l'argent est volatilisé, ni à la disposition des citoyens qui doivent le bénéficier, puisque c'est de l'argent de l'État. Ce sont ces quelques soucis que nous vous soumettons, monsieur le ministre, à cette importante occasion, pour que vraiment vous puissiez nous aider dans ce sens. Je vous remercie. Monsieur le maire a parlé. Monsieur le maire, d'abord. Mais dites à monsieur le maire que je ne suis même pas d'accord avec vous. Monsieur le maire, vous me permettez de dire avant. Dites-lui que je ne suis même pas d'accord avec vous. Monsieur le maire, on a fini, vous me permettez de dire avant. Même si vous avez pris le train en marche. Allez, n'a pas la ligne la paix de Canada. Lorsque tu fais que pendant 1000 fils et filles de Mandiana, qui porte la responsabilité en vous. Le développement communautaire, c'est vous qui avez la décision. Les recettes minières qui sont payées, où sont passées ces recettes-là?